Le cadrage est une étape cruciale d'une étude des impacts environnementaux et sociaux, ou EIES. Après avoir déterminé qu'une EIES est nécessaire lors du tri préliminaire, le cadrage vise à identifier les enjeux les plus importants. Les questions typiques à poser lors du cadrage sont les suivantes. Que vise le projet? Quelles personnes et quelles zones seront affectées? Comment les parties prenantes seront-elles impliquées? Quels sont les impacts potentiels? Existe-t-il des alternatives présentant des avantages environnementaux et sociaux? Le cadrage est un processus créatif et participatif qui aide à se focaliser sur les impacts pertinents. Si le focus est trop étroit, le EIES risque de manquer des impacts importants ou d'être moins convaincante. Si le focus est trop large, le EIES prendra du temps et de l'argent pas nécessaires. Le résultat du cadrage est généralement les termes de référence pour les prochaines étapes du processus. Ils guideront la rédaction du rapport de EIES et serviront de cadre pour l'examen de la qualité du processus et du rapport. Si le cadrage est bien fait, il contribuera à une EIES efficace et réussie.